10, 9, 8, 7, 6. Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. Partir sur la route de ce 14e marathon du Mont-Saint-Michel en compagnie de Pierre-Jean. Pierre-Jean, notre collègue, qu'on le retrouve avec grand plaisir tous les ans sur la moto. Et je crois que vous êtes, Pierre-Jean, en compagnie d'un marathonien pas tout à fait comme les autres, me semble-t-il. Nous nous trouvons à côté de Fabrice Lefeuvre. Il porte un fanion à damier. C'est pour qu'on puisse le reconnaître, pour s'approcher de lui, parce que c'est un coureur un peu particulier. C'est un de nos collègues à France 3 qui a l'habitude de courir des marathons, des ultra-trails. En fait, c'est un pro, on va dire, de la course. Il va nous raconter un petit peu sa course à lui, comment il la vit, comment il la ressent. Fabrice, comment ça va là depuis le départ? Bah écoutez, pour l'instant, bonjour. D'abord, bonne fête à toutes les mamans. Avant que j'oublie, pour l'instant, ça va très bien. Là, on est en train de chercher notre rythme, donc on déroule tranquillement. Et voilà, il faut surtout penser à s'alimenter et à bien s'hydrater. Et puis là, on profite du spectacle, voilà, des gens qui sont autour de nous, des musiciens. Et puis on a toujours ce joli Mont Saint-Michel en vue pour l'instant. Ça, c'est le côté sympa, on va dire. La première partie avec pas mal d'animation, il y a de la musique, on vous applaudit, c'est sympa là. Voilà, exactement. Là, pendant le semi, les 21 premiers kilomètres, il y a beaucoup de monde sur le bord de la route, il y a beaucoup de spectateurs et de musiciens. Après, ça va se corser parce qu'on va rentrer dans les polders. Il y aura quasiment plus grand monde. Il y aura quasiment plus personne, je veux dire. Et là, on va commencer à être dans une difficulté. Là, on verra vraiment si on est parti trop vite, si on n'a pas assez mangé, on s'est tout simplement mal hydraté. Est-ce que vous êtes fixé un objectif pour ce marathon, un temps? Alors l'objectif il est simple, c'est 3h30 et pour être plus précis, une arrivée en direct dans le journal. Ce marathon du Mont-Saint-Michel, nous sommes du côté du 31e kilomètre avec Pierre-Jean, me semble-t-il, et quelqu'un qu'on connaît bien à France 3. Oui, tout à fait, je me trouve avec Fabrice Lefeuvre, 31 kilomètres, on vient de le passer, et Fabrice m'expliquait qu'en fait il était sur un faux rythme, n'est-ce pas Fabrice? Ouais, exactement, en fait, je cours un peu trop lentement par rapport à mon rythme habituel, et du coup, je suis aussi fatigué, voire même plus fatigué. Donc je m'étais dit, je resterai tranquille jusqu'au 32e. Là on va y arriver d'ici quelques mètres. Et je pense que à partir du 32e, je vais accélérer un petit peu le pas. Et puis je vais me faire plaisir pour les 10 derniers kilomètres. Quoi. Comment ça se passe un petit peu dans le peloton autour des 3h30? Vous parlez un petit peu avec les marathoniens? Ah ouais, tout à fait. Alors on parle, on rigole. On parle des courses passées, des courses à venir. Plus particulièrement du marathon du Mont-Saint-Michel. Est-ce que vous sentez un peu de souffrance autour de vous aussi? Alors là, la souffrance, on commence à la sentir là depuis 3-4 km. Il y a de moins en moins de monde au bord de la route. Chacun est enfermé dans sa petite bulle. Tout le monde est concentré et on sent qu'il y en a quand même qui commencent à tirer. Les écarts entre coureurs sont de plus en plus grands. Là, la partie mentale commence à se mettre en route. Ok, ben on vous laisse. Hein, on vous laisse dans votre course, dans cette partie mentale. A tout à l'heure, Fabrice.
minutes et 4 secondes. Bravo Fabrice, félicitations. Alors on va se tutoyer parce qu'on le fait. Tu nous avais promis d'arriver avant le journal régional à 3 minutes près, c'est parfait. Bah ouais, j'étais un petit peu trop lent au départ. Et en fait, c'était pas une bonne chose parce que j'avais mal aux jambes, j'étais pas à mon rythme. Et j'ai un peu peiné au 35-36e kilomètre. Et j'ai dit aux collègues, je vais accélérer parce que je vais avoir plus mal si je reste à cette vitesse-là que si je cours à ma vitesse. 3h30, ça reste une super performance. Ouais, c'est un bon temps, bien sûr, c'est un bon temps. Là, en fait, à partir de 3h30, c'est vraiment le gros du peloton qui va commencer à arriver, entre 3h30, 4h et 4h30. Là, c'est un bon 60% qui arrive, quoi. Et ce drapeau, là, sur la tête, il t'a pas gêné parce que ça ballotte de tous les côtés? Alors, c'est marrant, en fait, moi, je suis le seul à pas l'avoir vu du tout. Mais je peux vous dire que je l'ai senti quand on avait un léger vent d'eau. Je le sentais vraiment bien, quoi. Mais non, ça a été, ça m'a pas trop dérangé. Bravo Fabrice, félicitations encore. Et puis maintenant, il y a des paris à honorer, quoi. Merci, je crois comprendre ce que vous voulez.